Messieurs, dames, frères, accès, compatriotes, moi, bonjour pour nous toutes. Jeudi à ce dimanche 7 avril. Bon dimanche, bon week-end et pour nous toutes. Namiko, voilà, Kaila, Zami, on s'invite. Merci Dieu, moi, content ensemble avec nous. Moi, pour partager avec quelques parmi nouvelles qui ont dominé l'actualité. On a fait un coup de pied dans le pays Chili. Nous pour essayer de faire voisin nous, qui c'est la République Dominicaine, un coup de main. Parce que nous avons honte. Et puis, capable de parler des dossiers, ça, c'est un plus gros réseau gang qui gagne dans le monde entier. Et c'est Dominicain qui fait réseau gang ça, il prend naissance dans le pays Saint-Domingue. Et il gagne des ramifications à travers plusieurs pays dans le monde. Il y a une présence aux États-Unis, et Espagne, Royaume-Uni, dans plusieurs pays. Et bien, réseau gang criminel ça, qui gagne Dominicain là-dedans, et c'est eux-mêmes qui font. Et yo bay tête yo pote non les trinités et c'est trois jeunes garçons, trois pères de la patrie en République Dominicaine qui t'ont formé trinité ça et soi-disant pour t'être capable goumer face à pays d'Haïti et il t'ai gagné Juan Pablo Duarte Sanchez Imedia et mais Dominicain yo et mais yo prend même nom ça et bien yo bay yon réseau gang yon groupe gang qui yo gagne qui est pas pied dans le monde. Eh bien, autorité dans le pays Chili, ils ont démantelé et réseau gang ça. Et n'est que n'a regardé là, c'est chef gang là. Ces chefs-là, ils ont arrêté. Ils étaient pris en avion dans le pays Saint-Domingue pour aller dans le pays Chili. Eh bien, les opérations sont gros opérations qui fait. Dans l'opération, ça a été gagné. Et 15 000 policiers et chiliens qui ont participé là-dedans, PDI. Et policiers d'investigation qui ont participé dans la gros coquin opération ça. Et c'est dans 15 provinces dans la capitale et pays Chili et dans la zone métropolitaine l'ouest dans le pays Chili que l'opération ça a été faite. Côté yo arrêté environ 100 et moun parmi yo en pile bandi et ben ça qui ça a été fait. Et ben c'était trafic zam, fait contrebande zam et c'est drogue et c'est contrebandier et drogue nek ça a été qu'on a vendu et nek ça yo spécialisé dans fait kidnapping et touye moun et fait traite moun. Ça veut dire que prend moun et vend moun, touye moun et prend et organe nan moun sa yo pour capable vendre. Et bien chef gang là et mais la police arrêté le monsieur t'a essayé sauver c'est dans aéroport Santiago et dans pays Chili et mais yo mettez la patte sous tour ça et que n'a pas gardé là. Et bien la police investigation et bien yo yo arrêté monsieur c'est hier samedi yo arrêté et gros coquin opération a été faite et dans et vendredi et puis dans samedi yo arrêté et bien et tout ça qui c'est chef et groupe gang criminel ça qui yo relé et Los Trinitario et mais détention et nexa et d'après ça que autorité dans pays ce domaine et pardon dans pays Chili fait connait et mais il très important et relevant pour yo parce que monsieur c'est lui même qui à la tête groupe ça qui gagne et plusieurs et annexes et organisation criminelle ça gagne plusieurs annexes à travers le monde non seulement yo mené opération ça quoi ensemble avec l'argent et à niveau et international d'après ça que Marco et Pastin qui c'est et paquet et chef paquet a et bien lui même et li fait connait gros opération ça j'aime te dire li fait c'était vendredi a li te fait une façon simultanée et à travers 17 provinces dans pays Chili côté fiscalia li même yo arrêté près de yo et cinquantaine moun et dans et recherche et que nexayo et ben et yo t'a fait et dans pays Chili côté nexayo c'est en plus ben qui ça groupe gang ça qui est Los Trinitario qui c'est un groupe gang criminel dominicain et bien et qui est ce ça ouyé et nous et les gens bagay qui passé en Haïti dominicain au chaud yo kembe dossier Haïti et dossier gang en Haïti au chaud toute journée toute la nuit yo met pas brosse dents pour parler de dossier ça mais ça qui a passé la journée je dis ou pas wè ou dit rien. Il y a quelques petits journaux qui brossent ces bagages là et puis ils quittent là, ils n'ont pas dit rien, ils n'ont pas parlé de bagages ça encore, ils n'ont pas parlé de lui. Parce que ils pensaient, ils ont là, et mais bagages les gâteras là, et mais ce n'est pas nous seule famille qui a besoin de gâteras. Gâteras à tous côtés. D'ailleurs, nous connaissons Dominicains, et vieux bêtes ça, par un travail. Et là, ils arrivent partis,
Et mais c'est Zach malhonnête parce qu'il remet l'argent facile, il pas bouiqué, il pas travail dit, c'est ça qui est plus facile là, même il est capable faire prendre zam et marcher vendre drogue et kidnapper moun et attraquer moun, c'est ça dominicain lui-même le plus et fort pour le faire la donne. Après son carré quelque nan yo qui ka mettre un petit boutique ou bien li gon vieux moto machine tobe fait taxi contre ça ça clive ta mais question travail diyan et la difficile et pour un dominicain lui-même li dédié tête li nan faire gros travail fort pas faire bagarre comme ça et bien et vendredi dans matin et PDI ensemble avec fiscal national et Angel et Valencia et bien yoté et prend et bien bonnet et dans matin yoté allé dans communauté qui relé Cerrillo qui c'est dans région métropolitaine pour être capable et ouais et comment yoté capable faire une gros opération pour être capable craser gros et gang criminel et ça organisation criminelle qui relé le Trinitario. Et bien là nèg yo te rêvé ensemble avec gros cocaine opération ça yo méga opération côté gagnant et yo fait à travers de 17 communes dans capitale là côté yo arrêté près de yon et 53 et moun qui yo arrêté et puis gagné 53 moun ça 53 bandits qui yo arrêté et puis gagné 120 l'autre moun qui yo arrêté c'est dans cage et à image que yo même yo fait et bien pour être capable et joindre drogue ensemble avec zam et bien et opération ça les caractériser et par et m'était capable dire non il était gagné environ 15,000 policiers et ben qui étaient participé et dans et bagaille ça et ben d'après ça que autorité au fait qu'on est fiscal Marco Caspem qui confirmé que gros opération ça et qui était gagné la donne et côté au point et nouveau à Marcel de Cerrillo c'est la négo semble être gagné et basio c'est là qui était fait et bien et yo fait connaître Los Trinitarios c'est un gros gang criminel qui gain origine qui prend naissance en République dominicaine et il est très clair que nèg sa yo et Los Trinitarios il est très clair d'après ça que et fiscal là lui-même et il fait connaître et moi le dit pour nous malgré que et c'est un gang criminel qui gain origine et dans pays Saint-Domingue poursuivre clarifier que li gain la donne et tout membre l'autre nationalité c'est pas seulement et dominicain la donne li gain l'autre nationalité la donne tout et spécialement et yoté et détaillé et bay et média que membre trinitario yoté occupé zone Cerrillo pour yoté capable collecter et puis distribuer drogue. C'est là que yo distribuer drogue yo et vendre acheter drogue et que yo yo couvrir crime yo et à travers et compagnie tankou et par exemple et quoi faire par exemple l'owe et negla et dominicain là le il mette yo quoi faire et dans zone ça ou pense c'est affaire sérieux qu'a vendre qu'a faire là-dedans et pourtant c'est drogue yo vendre drogue là-dedans et pour yo capable et laver et l'argent dans qui sont et quoi faire d'après yo document que FBI mettait d'ailleurs gang criminel là t'est fait et dans prison c'est dans prison que yo que groupe gang ça lui-même et il était formé et dans pays États-Unis en 1989 qui composait surtout avec dominicain au soir et américain et d'origine et attendez yo fait avec dominicain ou du moins soit la donne américain d'origine dominicain c'est eux même qui conformé et groupe gang criminel ça sur internet yo dit non et Los Trinitarios sorti la principale révolution et la guerre indépendance république dominicaine Juan Pablo Duarte Francisco de Rosario Sánchez ensemble avec Ramón Matías Mella et ben ces trois gros portugaisons ça et qui c'est papa nation pays c'est Domingue là yo c'est eux même qui t'est formé et les trinités et bien et réseau gang ça les mêmes qui ça fait yo prend même nom ça hein même nom ça et ça faut ouais Dominique yo presque pas parler de ça yo prend même nom ça et bien puis yo capable former et bien réseau et gang criminel ça.